Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Unshrouded. Alors, on regarde la carte. On va se diriger vers la tour ici. Voilà. Et on va aller sur ce qui est déjà sélectionné. Le point de passage ici. La caravane du sud, je crois. Ouais, je suis dans le bon angle, à peu près par là. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Est-ce qu'on avait visité ça? Je crois pas. Bon, ça peut être rapide, hein. Ouais, nouvel emplacement cartographié. Boum. Le Ranch Fanning. Ouais, oh, pépère. Ok. Il y a un puits, on peut peut-être récupérer de l'eau. Yes. C'est bon. Alors. Alors, peut-être rien de bien terrible, mais au moins, on aura cherché. Fibre, canne à sucre, tout ça c'est bon. Oh purée, je l'ai pas vu arriver, il était où? Ah ouais! Ah mais je sais même pas d'où il est sorti quoi. Mais carrément pas, hein. Ah ouais. Alors lui, on peut dire qu'il m'a eu. Je déconne là. Je déconne. Et
Allez, on y va. On arrête de faire n'importe quoi. Vraiment tendu là. Ça a remonté super vite et des fois ça va pas remonter du tout. Faire attention, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Ouais, un passage secret. Ok. Ok, ça on a visité, ça on a visité. Par contre, ce bâtiment-là, on l'a pas visité. Pas encore tout du moins. Allez voir. J'ai pas l'impression. Ah si, il y a peut-être quelque chose. Ah oui, d'accord. Ok, allez, on est reparti. Donc, il a quand même touché. Il m'a quand même touché, dis donc. Ok, là on arrive dans le désert, désert. Hein. Du safran. Les cactus, je me rappelle plus les cactus si ça donne quelque chose. Non. Non. Sac à poison. Et on devrait trouver le soufre, je crois. Il
je crois. Souffle, voilà, c'est ça. On va récupérer un petit peu. On en profite. C'est pas mal. Allez, c'est bon. On va aller de l'autre côté. Par là. Qu'est-ce qu'il y a par... Alors, il y a un coffre là-haut, je crois. Alors on peut réparer ça, c'est cool. Non, laisse-moi juste le temps de réparer. Voilà. Non, pas réparer. Alors on est à 300 mètres à peu près. Hop. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Les grenades que j'utilise jamais. À tort peut-être. Allez, on continue par là. Voilà. 250 mètres. Je me demande si c'est pas une brume mortelle, ça. Et ouais, alors donc du coup je peux pas aller par là. Donc je peux pas aller par là. Mince. Alors du coup faut que je fasse plutôt ça alors. Ouais, mais je fais comment pour faire la suite? Je me demande si c'est pas en hauteur. Si ça se trouve, il faut remonter. Est-ce que j'aurais pas pu vite fait de faire ça? Ouais. Alors... Là on a le bâtiment. Oh, j'étais un peu loin là. Ouais, du coup faudrait que j'essaye de... d'aller là-haut. Alors ça c'est pas gagné. Hein. Ou alors peut-être... Ah, on va essayer quand même. Ah, il y a peut-être un passage là-bas. Juste là-bas là.
Peut-être, oui. Ouais, je peux pas. Mince. On peut essayer par là. Enfin, c'est ça le problème d'Unshrouded, c'est que des fois on est bloqué pour trouver un passage. Mais peut-être qu'on peut passer par là. J'espère. Non, on peut pas. Mince. Purée, je vais passer par où? Le tunnel là, non, je pense pas, ça revient au même. De brume comme ça m'intéresse. Purée, par où je vais passer? Aïe! Voilà. C'est par là peut-être. Est-ce que je peux essayer de monter par ici? Ah, ça revient au même. Je me demande quand même s'il n'y a pas moyen. Par là, non. Bon, bah pas par là non plus. Ouais, le problème, c'est qu'il faudrait que j'améliore. Ah, attendez. Peut-être en contournant par là-bas. J'ai quand même l'impression que c'est possible. Ouais, vite fait. Si, si, c'est peut-être possible. Regardez. Est-ce qu'on serait sur une piste? Là-bas, il y a une tour des anciens. J'ai pas pensé à prendre de la pierre, mince. Ça se trouve par là. Alors après, j'espère que ça se trouve pas dans le. Il va falloir voir. Hein. Non, pourquoi je peux pas? Ah. Attention, on va contourner. Ah oui, les dracs. Alors eux, ils font mal. Ils font super mal. Je sais plus si c'est la glace ou le. On dirait qu'il y a un passage là-bas. C'est la cité. Ouais, c'est la cité, c'est ça. C'est la cité. Et là, on va affronter un boss bien tordu.
qui va nous permettre de d'upgrader notre flamme. Ouais, parce que là c'est en bas. Et là par contre je peux pas. Bon, on va regarder, mais je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, alors eux ils nous donnent des trucs sympas. Et par contre. De viande et des peaux d'animal. Peut-être que. Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Parfait. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça me parle pas, ça. Ça me parle pas du tout. Ce camp. Ah mais pour moi là c'est pas vrai. Je l'ai pas looté, je crois. Ah mais il y a des cadavres là. Bon, la ferraille, moi ça m'intéresse. Un petit coffre qui traînerait des fois. Non. Ouais, donc là il me semble qu'il y a une cité. Oula. C'est quoi qu'à. Ça va bien. Est-ce que c'est par là la fameuse cité? Ah, elle est là. Elle est là. Et donc là, il y a un donjon. Normalement. Qui est, je crois, de ce côté de la ville. Il me semble que c'est ici. Hein. Non, c'est par là. Non, il est par là, le donjon. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a un coffre. Ici. Un coffre doré. Non? Non, c'est pas ici. Il me semblait. Et le donjon, il est là-bas. Y a pas un coffre doré par là? Alors ça c'est une baignoire dorée, c'est pas pareil. C'est fou ça, il me semblait qu'il y avait... Ah bah non. Bah tant pis. Alors l'exploration de la cité ça risque d'être chiant. On va pas l'explorer maintenant, mais par contre il faudrait qu'on aille tuer le boss. Ah, il est... Purée, je sais plus où il est. Faudrait qu'on aille tuer le boss.
Ouais. Alors moi dans ma partie j'ai mis une pierre de TP ici. Et ce donjon est assez intéressant au niveau loot. Il y a beaucoup de choses à looter là. Hop. Sélectionner la pierre. Regardez tout ce qu'il y a. Par contre, c'est le boss qui est très très tendu. Et tout ce qu'on loot, relativement intéressant. Et encore, je casse pas les différents réceptacles. Ouais, en plus c'est du niveau 23. Waouh, 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 waouh. Je viens de me faire OS ou j'ai rêvé? Ouais, j'ai l'impression que je viens de me faire OS. Ah oui, il est plus balèze que les autres, tu vois. Est-ce que tu aimes le feu? Non, j'aime pas le feu. Oh, je t'avais pas vu ça. Ah non, c'est une brume mortelle aussi. Ah bah alors attendez, parce que je comprends pas là. Je ne comprends pas. Je sais plus dans quel sens il faut procéder. Parce que là, je peux pas y aller. Donc, il faut qu'on aille par là, alors. Par là. Là on doit avoir une, on a la quête ici, voilà, on va aller par là alors. Est-ce qu'on a perdu du temps? Non,
Par contre, ça aurait été bien que je puisse faire un... un passage, mais bon, c'est pas grave. L'almanach des plantes et semis pour la fermière, ouais. On peut faire ça, au pire. Hein. On va faire ça. Il y a beaucoup de lave. Hein. Allez, on y va. On va avoir perdu un petit peu de temps. Je pense pas que je puisse passer par là. Non, je pense qu'il faut passer... ouais, non, c'est par là. Mètres par ici. Donc on va continuer par là. Hein. Je pense pas qu'on ait perdu du temps à aller de l'autre côté. Plus de l'élixir, on a dû le faire celui-ci, non? Ah non, on l'a pas fait celui-ci. Puis de l'élixir. Hein. Non, non, on remonte. Voilà. On va reprendre un petit peu de... d'oxygène, ou je crois qu'on peut appeler ça. Non. Ah. C'est quoi ça? Pas le bon outil. Bon, tant pis. Alors la racine est là-bas. Elle a l'air bien gardée, non? On va essayer comme ça, on verra bien. Hein. Oh purée, oui. Ah. Purée, je vais me faire tuer. Va falloir courir. Hein. On va pas se faire toucher. Ma vie remonte, mais lentement. Est plein. Faites que je me fasse pas attaquer là. Ça on peut jeter.
Ça, on peut démanteler. Ça, on peut démanteler. Bâton des ténèbres. C'est du niveau 16. Et le niveau 24, ça m'intéresse pas. Ça c'est du niveau 22, ça c'est du niveau 12. Ouais. Alors attendez, elle est où là? Ah, elle est là-bas. Faire ça parce que mais c'est pas vrai, parfait. Un truc intéressant à récupérer, bah, j'ai pas l'impression. Pas de coffre. Oula, non pas lui. Ok. C'est pour ressortir apparemment. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, il faut qu'on se dirige par là. Et quelques mètres, 450. Pas d'obstacles, s'il vous plaît. 380 mètres, on a largement assez d'avoir des obstacles. Nouvel emplacement. On est où? Je suis que là. Repos de Surat. Il y a une petite lueur rouge, j'aime pas du tout. Ah, il y a de la lave. Ah, sérieux. Ah, il y a un pont là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je suis en dessous. Je crois qu'on s'est déjà fait avoir, non? Fallait passer par le pont. Ah, sérieux. Rien ne va dans cette vidéo. On va retourner au puits pour se téléporter. Je comprends pas là sur la carte, je suis en haut. Ouais. Ah, puis je perds facilement mon enduit, hein.
Alors, on devrait normalement. Ah, niveau 23. Au moins une bonne nouvelle. Voilà, on n'est plus embrumé. Est-ce que j'arriverai à repasser par là? Au pire. Et après, peut-être se diriger plus par là. Dans cette direction. Non, dans cette direction. On va plus par là, ouais. Pas sûr que ça soit ça. Hein. On va essayer, mais à mon avis, ça passera pas. Sérieux, c'est pas là. Ah, mais ça se trouve, c'est cette flamme-là que j'avais pris. Ah, je suis désolé. Hein. Je galère un peu, là. Donc, on retourne là, l'almanach. Nous y voilà. Oui, ça y est, je me souviens. Alors, ça, c'est un sacré morceau. Hein. C'est chaud, ça. Ouais, ouais, ça, c'est un sacré morceau. Il va y avoir vu quelque chose. Je leur ai dit la vérité, mais ils ne me croient pas. Le dragon est réel. Je l'ai vu alors que je récupérais de l'alcool aux frontières de notre territoire, quand je suis tombé sur cette grotte et rencontré son regard féroce. Les yeux brillants d'une lumière mystique. Je me suis retourné comme un tourbillon et j'ai filé. Les autres crachent et se moquent de moi. Et si j'avais avalé un peu de liqueur de contrebande pendant que je me promenais. Je sais que je l'ai vu. Ok. Fais dans le tonneau, toi. Je crois que le passage est par là. Il y a quelque chose par là, en tout cas. L'almanach est quelque part par ici, mais alors où, je sais plus. Je crois que c'est là-bas. Ouais, je crois que c'est là. Mais c'est assez tordu.
par là peut-être? Purée. Non, c'est pas par là. Par là, c'est pour descendre. Non, non, c'est par là. C'est tordu pour y aller, en plus. Il me semble, hein. Il me semble que c'est assez chiant. Y a pas quelque chose, hein? Il me semblait que c'était chaud, plus chaud que ça. Ouais, c'est là qu'il faut voler. Ah non. Parti de travers. Ah! Purée, je me rappelle. Ah, mais non, c'est pas vrai. Je me rappelle plus. Spécialement où c'est. C'est là-bas ou c'est. Ça doit être là-bas, je crois. Non, même pas. Oui, je m'éloigne de l'almanach là. Pas mince. À 90 mètres par là. Ah, pas lui. Non, non. Ouah. Les rats, c'est pas possible. Je peux pas. La vidéo va être un peu longue, hein.
Balance. Mètres. Non. Je sais plus où c'est. On a un coffre là-bas. J'ai plus de place. Ça, on va pouvoir jeter. Je peux en faire facilement. Qui c'est qui me tire dessus là? 16 mètres par ici. Ah, oh, j'allais sauter au moment où il m'a tiré dessus, cette espèce d'empaffé. Ah, sérieux? Ah, mais il y avait un coffre, tiens. Ah, c'est pas vrai. Ah mais, hé, pas possible. Voilà. Se mettre par ici. C'est fou ça quand même. Pour moi, dans ma tête, c'était pas là quoi. Ah, me dites pas que c'était par là. Mob, pas mob. Personne ne peut me tromper. Thor est revenu de sa mission. De reconnaissance hier soir, il m'a jeté ce livre poussiéreux en disant que c'était la seule chose qu'il avait pu récupérer. Je connais assez bien cet imbécile pour savoir qu'il ment comme un arracheur de dents. Mon vieil ami a empoché le trésor, mais je ne le dénoncerai pas. Au lieu de cela, nous offrirons cet almanach à la matrone en guise de dommage. Quant au trésor, Thor devra le partager. Tout ce qu'il a pillé dans la tente de la reine Jasmina sera caché. Dans un endroit préféré. Dans son endroit préféré, je pense. Après tout ce temps, il n'a toujours pas trouvé de meilleure cachette que le sommet de cette vieille tour de guet. Ah, mais sérieux. Il fallait d'abord faire ça et après aller faire la tour de guet. Maintenant, c'est la tour de guet. Ok. Mais alors, la tour de guet, ouf. C'est bien ça. Ah. Le coffre. Ah ouais, mais non, là, par contre, il me le faut, ça. Non, ça je peux jeter. Hop. Cool. Non, il est là. Il se fout de moi ou quoi? Je l'avais dit hein, que c'était un coin tordu et compliqué. Ah mais oui, il me semble qu'il y a un combat à faire.
Enfoiré, mais c'est pas possible. Ah, c'est le truc qui m'énerve, ça. Allez, par derrière. En furtif. Il me semble... Ouais, il y a une arène. Je crois. Et on va combattre une... Voilà, c'est ça. Non? C'est pas ça? Si. Oh non. C'est pas ça que je voulais faire. Vous êtes bien plus nombreux que moi. Donc pas de pitié. Allez là. La madrone. Ah, sérieux. Et on va voir assez facilement. Ou pas. Voilà. Pas d'ennemis là parce que je vais supprimer des trucs. Bah ça par exemple, j'en ai plein. Ouais, ça je peux jeter aussi. Yes, voilà. Parfait. Bon ben voilà, en fait on a récupéré l'almanach. Ça a été un peu détourné, d'accord. Qui c'est qui me tire dessus là? Bon, on a récupéré l'almanach, ça c'est bien. On va se téléporter à la base. Et on va aller voir. L'intéressé. Ah. Alors, je sais plus. L'almanach perdu. Mon almanach des plantes et des semis. Fantastique, il y a un peu de saleté dessus. Mais ça va, ça ne me dérange pas de me salir les mains. Commençons à planter. Et donc du coup on a débloqué quoi? Terre à fleurs, ouais.
pot de fleurs, tatatatac, ouais, ça c'est cool. L'almanach, on l'a ici. Résistance, ah maintenant on peut faire ça. Plus 5 résistance. Ouais, pas tellement pour moi ça. Constitution. 5 constitution, 1 intelligence, celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Ouais. Va falloir qu'on fasse le four, d'ailleurs. Alors, inventaire, ton almanach est là. On va te le mettre... Non. On va te le mettre là. Comme ça. On va te le mettre comme ça, tiens. Voilà, parfait. Voilà. Eh ben, dites donc. Eh ben, écoutez, on va arrêter ici. J'ai un peu pataugé au début, mais... bon. Je pensais pouvoir faire d'autres missions, mais en fait, non, j'ai pas encore accès. Parce que pour développer ma flamme, il me faut tête de monstruosité déchue. Et j'en ai pas de ça, où je l'ai fait. Ah purée, attendez, j'ai un doute. Je crois que je confonds avec un... avec autre chose. Bah, il s'est passé du temps entre mes dernières vidéos. Hein. Je suis désolé. En train de me demander là si je suis pas ça, on peut le mettre là, tête de monstruosité déchue, elle est là, purée. Bon, c'est pas grave en soi, mais bon, on a récupéré l'almanach, il me faut des os fossilisés. Ça, je peux en trouver facilement, des étincelles. Ok, ça j'ai, minerai d'étain. Le minerai d'étain, ouais. Ok. Ok, ok, bah écoutez, on va arrêter là, hein. Alors, on va aller parler ici à elle. Eh oh. Dans la nature, chaque respiration peut être votre dernière. Nous serions beaucoup mieux avec une armure rembourrée. Et je pourrais nous en fabriquer une avec un kit de rembourrage. Si j'avais un métier à tisser. Voilà mon indice. Les meilleurs tisserands étaient originaires de Lapis de l'Est. Et la ville a été largement épargnée par la guerre. Ne pose pas de questions. L'information était cruciale dans ma précédente profession. Je ne connais pas l'emplacement exact, mais la maison du Tisserande était décorée de nombreuses bannières. D'accord. Ouais, ouais. Station de tonnage, ouais, bon, ça c'est normal. Grand sac. Ouais, il nous faut du cuir comme ça, mais je pense justement il faut qu'on avance dans l'histoire. Bref. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même me laisser un commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.